Salut à tous et bienvenue sur GTV. Donc vous le voyez, on va regarder le magnifique fascicule Star Wars Légion des éditions Altaïa. Voilà, pour seulement 1,50€, offre de lancement. On va avoir Dark Vador, voilà, c'est le Dark Vador le moins cher jamais produit, je pense. Ensuite, trois petits rebelles, trois petits dés, quatre pots de peinture, un pinceau, un magnifique décor. Et puis voilà, le tout pour 1,50€, bien évidemment, la question ne se pose pas, c'est extrêmement intéressant. Donc si vous avez suivi aussi, vous savez que les éditions on fait la même chose pour Games Workshop, donc il y a quand même le match, parce que autant Star Wars c'est une licence qui va vraiment être axée sur le grand public, beaucoup plus que Warhammer 40 000, autant Warhammer 40 000, il y a déjà une grosse base de joueurs, donc pour le jeu lui-même c'est vrai que ça va être peut-être un peu plus intéressant, mais je pense qu'il y a match. Voilà, donc si vous avez envie qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est juste après le générique. Alors ce supplément, pas la peine de le chercher en kiosque, parce qu'il n'y a que dans ces départements-là où vous pouvez le trouver. C'est bien sûr en phase de test, et normalement ça devrait sortir en août ou septembre, voilà, selon les informations que j'ai. D'ailleurs je tiens à remercier Willy Paltan sur les réseaux sociaux, qui m'a gentiment permis d'avoir ce fascicule, parce que c'est pas du tout en test par chez moi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder un petit peu déjà. Il vous montre en fait des choses, ça c'est ce qui est un petit peu sur la boîte de base. Je pense pas que les éléments de décor ce soit des choses qu'on va avoir en fait dans la suite de l'aventure. Je sais pas, peut-être qu'il va y avoir d'autres exemples. En tout cas, si on se basque là-dessus, après on peut se dire pourquoi pas, parce que c'est des choses qui ont pu être éditées, mais je pense pas qu'ils ont fait un partenariat avec beaucoup d'entreprises. Bon, voilà, à voir. Ça va être difficile hein, de faire des plans sur la comète, mais peut-être que justement on l'aura dans le fascicule. Donc c'est pour ça que je vais l'ouvrir avec vous, et on vous promet sur le prochain fascicule, pour seulement 5€, on va dire, Luke Skywalker, 3 Stormtroopers, et puis 3 des rouges, et les cartes, 3 pots de peinture, voilà. Donc on va regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours le magnifique couteau suisse, indispensable à tout bon youtubeur qui fait des open the box. Alors c'est assez souple, hein, c'est une petite pochette, on dirait un peu une sorte de protège-cahier. Alors on va commencer par regarder un petit peu les figurines. Donc c'est les figurines de la boîte de base. Vous avez les socles qui sont estampillés FFG. Ça peut se clipser, voilà, donc il n'y a même pas besoin de colle, parce que c'est des figurines, vous voyez, comme ça, assez souples. Donc voilà, comme ça, si vous n'êtes pas habitué, vous avez vraiment votre figurine qui vient se clipser gentiment. Bon, après, vous voyez, les jonctions, elles sont loin d'être parfaites. C'est aussi un peu le problème qu'on avait sur la première génération. Les figues sont pas trop mal, mais il y a moyen en termes de modélisme de faire beaucoup plus fin. Et en fait, pour ceux qui suivent un petit peu Star Wars Légion, les nouvelles sorties sont bien plus précises en termes de sculpture, de gravure. C'est vraiment top en termes de même de jonction, parce que là, vous voyez, j'ai beau un peu forcer, ça va être très compliqué. Il va falloir tailler un petit peu. Donc voilà, après ça peut tenir, quoi qu'il arrive, après il faut utiliser de la colle, sinon le gars tient pas sur son socle, voilà. Mais bon, ça peut être tout de suite directement joué comme ça, sans colle. Donc vous voyez, beaucoup de difficultés encore une fois pour l'assembler. Alors j'ai deux fois le même modèle, et notre ami, voilà, ici présent. Donc, j'essaierai de regarder un petit peu sur internet les images qui traînent, savoir si c'est toujours les mêmes figurines. Je trouve ça un peu étonnant qu'on ait quand même deux fois la même. Je pense que du coup ça me fait penser que c'est aléatoire, et que du coup l'avantage c'est que si vous en prenez plusieurs, vous allez avoir une escouade un petit peu différenciée. Je vous montre aussi notre ami l'alien, voilà. Donc va falloir quand même jouer un petit peu du couteau de modélisme. Après, bon, niveau ligne de moulage, vous voyez, il y en a toujours un petit peu. C'est la même chose hein, que vraiment la boîte de démarrage de Star Wars, qui est assez logique, hein, fort logiquement. Alors pourquoi vous pouvez avoir envie d'acheter ce fascicule? Eh bien je pense qu'à lui seul, Dark Vador justifie en fait l'achat de ce fascicule, parce que la figurine est quand même pas mal. Alors vous voyez, mon sabre là est un petit peu tordu. Après, on est sur du plastique vraiment souple, donc ça peut se redresser au sèche-cheveux. Vous pouvez le remplacer par une tige de tungstène, JP, si tu me regardes. Et là encore, les jonctions sont pas terribles. Après, la définition du perso est quand même pas mal, mais sans point de colle, là, vraiment, ça va pas tenir. Moi, j'avais eu de la chance sur mon Dark Vador, il était livré avec une épée bien plus lisse.
Donc voilà, après, là on est sur de la figurine encore une fois à 1,50€, même si c'est juste pour la collection, pour vous faire plaisir, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Après, en termes de jeu, le jeu est vraiment très bien, ça je vais pas rentrer en détail, si vous voulez voir, vous allez voir mes parties de Star Wars Légion, je vous ai proposé, là vous avez le petit lien ici, et puis comme ça vous jugez un peu de la qualité du jeu, mais vraiment très honnêtement, moi je trouve que c'est un excellent jeu. Alors le fait qu'il y ait des dés, c'est une excellente chose parce qu'en général, dans les jeux FFG, on n'a jamais assez de dés. Donc voilà. Alors après, les dés noirs, c'est pas forcément ceux qu'on aurait utilisé le plus, c'est plutôt les dés blancs ou alors les dés rouges. Mais bon voilà, ça fait quand même quelques dés en plus, ça peut toujours être sympathique à prendre. La petite barricade, ça, normalement, vous en avez pas mal parce que c'est livré dans la boîte de base. Ça vous fait toujours un élément en plus. Et puis, même si vous jouez pas à Star Wars Légion, eh bien, ça fait toujours un élément qui peut passer facilement pour Warhammer 40 000, par exemple. Donc, vous voyez, c'est du plastique quand même assez dense, mais malgré tout, vous voyez, on peut le plier. C'est un plastique un peu résineux. Et puis, le mien, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bombé quand même. Je pense que ces figurines, quand même, ils ont dû faire un gros tirage. Donc, peut-être que ça a été retiré du moule un peu vite. Alors le pinceau, vous voyez, il n'est pas protégé par une petite goulotte, c'est un peu dommage. Après, là, la première sensation comme ça, je pense que c'est du poil synthétique. Bon, ça me paraît assez évident. On va regarder la pointe de près. Bon, je pense que c'est jouable pour commencer à peindre avec ça. Bien sûr, ce ne sera pas un pinceau de grande qualité, mais bon, au moins, il est là, il fait le taf. Alors la peinture, c'est vrai que je me pose la question, je me dis d'où ça vient, parce que autant l'avantage chez les éditions Hachette avec Games Workshop, c'est que bah, comme ils fabriquent eux-mêmes leur peinture, vous avez des vrais pots de peinture, et rien que pour ça, c'est justifié complètement l'achat du bouquin. Là, alors j'essaie de voir s'il y a un petit logo quelque part qui ferait penser, bon. Après, ce que je me suis dit, c'est qu'ils doivent avoir l'habitude chez Altaïa de faire, par exemple, j'apprends la peinture en 4 leçons, enfin en 200 leçons avec 1,50€ le démarrage, et je pense qu'ils ont des sous-traitants comme ça qui leur fabriquent leur petit pot de peinture et que c'est de la peinture acrylique qu'ils doivent avoir, voilà. Donc je vais voir si je peux vous faire un petit test de la peinture. Je peux l'ouvrir là, essayer de voir un petit peu si déjà au bruit c'est pas liquide, hein, on entend rien du tout. Je vais l'ouvrir pour voir un petit peu. Alors ces petits pots, franchement, c'est un peu la galère. Alors, comment l'ouvrir? Peut-être qu'il faut que je donne un petit coup de couteau sur le côté. Là, j'ai vraiment peur de le renverser rien qu'en l'ouvrant. Bon, ben voilà, ça s'ouvre quand même. Alors, bon, c'est pas ultra liquide. Hein. On est sur quelque chose, vous voyez. Ah ouais, je peux le renverser. Bon. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de très très liquide. Est-ce que c'est comme ça de base? On va les regarder, mais bon, je pense qu'on va être sur une qualité qui va être bien plus médiocre, évidemment, que les peintures Games. Donc on va faire quelques petits tests, justement, pour la peinture, parce que je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Donc le marron, par exemple, on va commencer par ouvrir le marron. Donc je vous dis, l'ouverture, elle est un petit peu... Bon, une fois qu'on a l'habitude, on se dit pourquoi pas. Après, bon, vous pouvez le renverser, hein, ça risque rien, parce que la peinture est vraiment très dense, on va dire. Le pinceau, le toucher, ça c'est un peu rigide. Un peu rigide, on va voir ça. Alors, tac, je cherche un petit peu de la peinture. J'ai envie juste de faire un ou deux traits comme ça, et voir ce que ça donne. En tout cas, là, on voit que sur le... Bon, après, ça, c'est vraiment très lisse. Bon, en tout cas, ça n'adhère pas du tout. Ok, alors là, on est très, très mal barré. Alors, la couverture est très, très light. On va essayer de faire ça peut-être moins à la va-vite pour essayer de voir un petit peu. Là, j'ai pas l'impression qu'il faille diluer beaucoup la peinture pour que ça couvre, en tout cas. Alors c'est extrêmement light. Et pour comparer, je vais comparer avec du game, ce que je vais avoir là. Bon, c'est pas exactement la même teinte. Le monde Fangbrang est un peu plus foncé. Et vous voyez là, on voit déjà que quand je l'étale, c'est assez différent. Ou pas. Donc
Donc voilà, en termes de couvrance, c'est pas la fête. Après, il y a certaines couleurs hein, qui couvrent mal. Le marron, en général, c'est une couleur qui est assez facile à faire, donc bon, c'est un petit peu dommage si elle marche pas trop. On va essayer d'autres couleurs, on va essayer le rouge. Le rouge, par contre, c'est une couleur qui a du mal à couvrir, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça sert à rien de mélanger son pot, hein, vu que de toute façon, c'est assez, assez sec à l'intérieur. Alors, c'est vraiment pas pratique à ouvrir. Hein. Alors là, il a l'air plus rempli, mais je pense que c'est juste parce qu'il y a une bulle. Hop, voilà. Je pense que je vais même pas diluer pour voir. Plus je taille sur du noir, hein, je suis assez dur. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment pas couvrant. Enfin, vous voyez ce qui se passe là. Ouais, on étale en fait là une sorte de crème. Donc, l'achetez pas pour la peinture, franchement. Le pinceau, pourquoi pas, parce que bon, on voit que malgré tout, la pointe a l'air de se garder quand même pas mal. Donc, je pense que le pinceau est très utilisable. La peinture, par contre, là, je suis complètement pas convaincu. On va quand même aller jusqu'au bout. Bon, je pense que pour couvrir de la sous-couche noire, là, il va falloir vraiment faire beaucoup de passages. On va essayer avec le chez Petit Bone, toujours pour faire un comparatif. Là, je vais faire le dessous de la lame. Bon, là, c'est net. Donc là, il y a complètement no match, vous voyez. Là, j'ai juste fait un trait rapide pour vous montrer, mais la différence de couvrance est flagrante. Ça se voit vraiment à l'application. Alors là, c'est juste la galère à refermer, en fait. Et voilà. Donc en fait, comme on appuie un petit peu pour le tenir fermé en même temps, bah, ça déforme le couvercle et du coup, ça on a du mal à le refermer. Voilà, et c'est ce que je regardais déjà depuis tout à l'heure, vous avez dû me voir faire le geste, mais je me disais qu'à force d'ouvrir comme ça, on allait s'en mettre plein les doigts. Et ben bah, voilà, là, ça a pas manqué. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main qui peut être totalement utilisé pour le test, une magnifique poignée de peinture. Donc qui, du coup, moi, je l'utilise en fait hein, aussi pour faire de la sous-couche. Donc on va voir. Le noir, ça a l'air quand même mieux, hein. Ça a l'air mieux, ouais, ça a l'air pas mal. On va regarder. Ouais, le noir, c'est pas mal. C'est pas fifou, mais ça fait le taf, ouais. Bon, ben voilà. Le noir, au moins, lui, vous pourrez l'utiliser assez facilement. Le réutiliser, en tout cas. Par contre, vraiment, les autres couleurs, bah, je déconseille. Donc, Et puis, l'avantage, c'est que même si vous le renversez, hop, eh bien, vous n'aurez pas à poster sur Facebook, les mecs. Donc, réjouissez-vous. Donc, voilà, on referme. Alors, le conditionnement, ouais. Ouais, ouais c'est un peu galère. Hein. Mais... Et là, en plus, je me dis, je vais pas le tenir là pour faire en sorte que ça se referme bien, mais... Voilà. Donc, en termes d'accessoires de peinture, le pinceau, lui, je vais le garder. Je pense qu'il va rejoindre ses amis parce que il a une pointe qui se maintient bien. Voilà, qui est assez ferme quand même. Donc, c'est pas mal. Je pourrais l'utiliser. Après, les peintures, celle-ci, ça va finir à la poubelle. Ou pour des démos de peinture. Enfin, même pas. Parce qu'en fait, j'allais dire même pour des démos de peinture. Parce qu'avec Onasso, on fait des démos de peinture. Mais ça, même pas. Parce que si vous mettez ça dans les mains d'un enfant qui débute, et bien du coup, ils vont être vite dégoûtés. Parce que franchement, vous arrivez à faire quoi là? Vous n'arrivez à rien faire. Alors que, encore une fois, bon là c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous leur mettez de la contraste dans les mains, tout de suite il y a un effet, et tout de suite c'est flagrant et c'est motivant. Alors que ça, ça va pas être motivant. Donc franchement, c'est pas forcément la meilleure idée du monde de le donner à des petits cousins, etc. pour qu'ils débutent la peinture avec ça. Le noir, par contre, lui, il a l'air pas mal, mais bah, malheureusement il n'y aura pas que des Darth Vader dans la boîte. Donc hop, on retourne sur la preview du reste. Ce qui est assez intéressant maintenant, c'est aussi de voir, alors l'offre de départ, elle est certes intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qu'ils vont proposer par la suite. Et ça, on va le voir dans le fascicule. Alors déjà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ce jeu de stratégie comprend plus de 100 figurines. Waouh, Empire Galactique, Alliance Rebelle, République Galactique et Alliance Séparatiste. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir vraiment beaucoup de figurines, et pas que, bien sûr, l'équivalent de la boîte de base. Les petits fascicules comme ça, pour répondre aux questions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donc je vais vous le passer pour que vous puissiez le lire. Alors, pas mal de choses. Déjà, on voit qu'on a les kits de chez Army Painter. Donc peut-être que la peinture, c'est de l'Army Painter. En même temps, ça n'a pas l'air d'être le même pot. C'est difficile à savoir. Je me demande aussi pourquoi il n'y aurait pas marqué Army Painter quelque part. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un t-shirt envoi numéro 9, envoi numéro 12. Et oui, c'est ce que je voulais voir parce que c'est vrai que sur les quelques images, il y avait l'impression que dès qu'on pouvait s'abonner, on pouvait recevoir un do-back. Et je me disais, ouais, là ça tue comme offre. Mais en fait, non, ça c'est le troisième envoi, sachant que les envois en plus c'est des vagues. Donc ce qui veut dire que vous allez payer par exemple. Alors, est-ce qu'on va avoir le prix? Prix par numéro 9,99€, évidemment.
finalement. Donc ça fait 10 euros par semaine. 10 euros par semaine, ça peut vite revenir cher parce que vous pensez qu'au bout de 8 semaines ou 9 semaines, vous avez dépensé 90 euros. 90 euros, c'est le prix de la boîte de démarrage. Et je ne suis pas sûr qu'au bout de 10 séances, 10 fascicules, on ait l'équivalent de la boîte de démarrage qui est quand même bien bien remplie. Les avantages réservés aux abonnés, garantie de ne manquer aucun numéro. Je vous rappelle que si c'est la même chose que l'édition Hachette, les gens qui sont abonnés recevaient leur numéro après ceux qui l'avaient en kiosque. Donc bon, voilà à voir. Alors, le numéro 2, Luke, 3 Stormtroopers. Il y a quand même 2 Stormtroopers qui sont identiques. Tiens, il faudrait que je regarde sur le dessin d'ailleurs. Enfin, bien évidemment, j'aurais peut-être pas le dessin du premier, mais pour vérifier. Les dés 3D, 3 pots de peinture, numéro 3, on aura Chewbacca avec un élément de décor, des dés blancs, un pinceau de brossage, les cartes. Je suis curieux de voir aussi s'il y aura pas mal de petites cartes à l'intérieur. En tout cas, j'ai pas eu de petits paquets de cartes pour l'instant. On va voir ça. Ah, les cartes. Alors déjà, moi, ce qui me plaît pas trop, c'est que ça va être des cartes à détacher. Donc, ce qui veut dire que sur le côté, vous avez des petits picots. Donc ça se détache relativement bien, on va pas faire trop le difficile, mais on a, vous voyez, ces petits ergots comme ça qui dépassent de chaque côté. Je trouve ça pas très esthétique. J'ai toujours fait ça un peu cheap en fait sur des cartes, je sais pas, alors peut-être que ça vient que de moi. Après, niveau résistance, ouais, on est sur de la carte quand même assez épaisse, là-dessus pas de souci. Mais a priori, il n'y a pas de petite carte d'amélioration. Donc, faut y penser, ça fait partie du jeu. Star Wars Légion rejoint le côté obscur, le côté lumineux. Ou les droïdes aussi. Donc c'est assez récent quand même, on a quand même la trademark en 2020. Alors on va le feuilleter ensemble, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ouais, ok. Donc les différentes factions qu'on va avoir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a le listing en fait de tout ce qu'on va avoir. Donc Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca, les soldats rebelles, les soldats de la flotte de l'Alliance, des Wookiees, des droïdes, les officiers. Donc on a plus que le contenu de la boîte de base. Dark Vador, Boba Fett, Stormtrooper Motojet, l'Empereur Palpatine, le Général Veers, les Snowtroopers, les gardes royaux impériaux, donc Obi-Wan Kenobi, le Général Grievous, les soldats clones de phase 1, le Comte Dooku, les droïdes de combat. Et les différents éléments, donc des barricades, une règle de portée, 3 gabarits de déplacement, divers pions et compteurs, des cartes et 5 types de dés. Alors si on se projette un petit peu et on imagine, donc allez, combien d'éditions? 1, 2, 3, 4... 21, est-ce que du coup ça va être une collection qui va partir sur 21? Je ne sais pas, sachant que je me dis que comme il y a des petits soldats à part, ça va être difficile à savoir. Après, j'imagine les numéros, vous allez payer 10 euros les 3 petits soldats impériaux. Ouais, je vous rappelle qu'il y a des boîtes hein, qui sont vendues. Je sais pas pourquoi, mais je la sens financièrement moins intéressante. Je suis déjà en tout cas moins emballé parce qu'on n'a pas, comme à Conquest, en fait, je compare toujours parce que c'est quand même des choses qui sont assez proches. On va pas avoir, par exemple, de gros véhicules, il n'y a pas de Land Speeder. J'aurais bien aimé la TST, évidemment. Donc on vous présente un petit peu rapidement le jeu. Qu'est-ce que c'est le jeu de figurines? C'est assez succinct, hein, quand même. Ça va vite. Oh là, c'est très très fin au niveau du papier. Donner vie aux personnages de la saga, peignez-les. On va voir s'il y a un guide de peinture. Donc on retrouve encore une fois les magnifiques cadeaux. Et voilà. Alors on va regarder ce premier fascicule. Alors à niveau maquettage, ça me donne une impression de vite fait en fait. Vous voyez, la découpe là n'est pas forcément optimum. Avec l'ombre portée, bon, il y a déjà pas mal de choses. Donc fan service, évidemment, on commence avec Dark Vador. On va vous parler un petit peu de ce qu'il est. Voilà, alors les petits guides de montage, assemblés aux figurines. Attention, la sécurité c'est important, comment les coller, les assembler, préparation à la peinture. Donc il prévoit hein, bien sûr que les sables laser vont être un petit peu pliés, donc voilà, il vous montre un petit peu comment le faire directement. Mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on peut le savoir, mais si on ne le sait pas, et c'est le but aussi de ces bouquins-là, et bien comme ça vous avez directement l'information. En tout cas, par contre là c'est beaucoup plus dense, autant je trouvais que tout à l'heure c'était un petit peu léger, autant là je trouve que c'est beaucoup plus dense et que on a de suite plus d'informations. En tout cas là on voit aussi que c'est accessoire Army Painter, donc je ne serais pas étonné que le pinceau soit peut-être un starter de chez Army Painter, et pourquoi pas les peaux soient aussi des peaux Army Painter. Alors un petit passage sur les soldats rebelles, comment les peindre, détails complémentaires. Bon, est-ce qu'on peut déjà les faire? On a le marron, on a le... Alors, est-ce que ça c'est la couleur peau? Peut-être, petite moustache qui va bien. Manque de peau, les persos qu'on a reçus, ils n'ont pas la moustache, hein. Ça c'est triste. Après, ce qui est un petit peu étonnant dans cette page, c'est qu'il vous montre en fait la plateforme d'armes. Et si je me réfère en fait à cette liste-là, si elle est exhaustive,
et je pense que c'est une liste exhaustive. Et bien, du coup, on n'a pas ce modèle-là. Bon, là, bien sûr, on n'aura pas de décor autre que les petites barricades. Ça aurait pu être vraiment très sympathique. Donc le système DD pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, voilà, pour histoire de jouer un petit peu. Après, le problème aussi de ces choses-là, je ne sais pas d'ailleurs s'ils vous disent que vous pouvez aller directement télécharger le fascicule complet des règles. Ce serait quand même une information intéressante. Alors je me pose la question de savoir pourquoi il y a un quadrillage en fait sur la carte. Je trouve ça assez étonnant, ça fait penser à Star Wars Légion, je me dis, mais bon, c'est pas la bonne taille. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce petit quadrillage, peut-être pour faire un petit peu science-fiction, peut-être pour habiller aussi un petit peu les choses, parce que c'est vrai que c'est assez léger. Donc là, vous voyez, vous n'êtes même pas libre, hein, de vos mouvements, vous avez juste à avancer. Donc ça vous donne vraiment un tout petit avant-goût du jeu. Voilà. En tout cas, je n'ai pas cru voir de lien vers le site de FFG. J'ai regardé au début quand même. Non, on ne vous envoie pas directement vers le jeu. Donc, je pense que contrairement justement à Conquest qui vous dit hey, « Eh les gars, allez en magasin Games, vous allez avoir plein de choses », là, on est plutôt sur une collection qui se veut en fait se suffisante à elle-même. Donc déjà aussi, pas de petites cartes. Alors j'espère qu'on aura les petites cartes d'amélioration quand même. Je ne sais pas, en tout cas, ça ne le laisse pas suggérer. Hein. J'ai essayé de regarder encore. On vous met des cartes, mais on ne vous met pas plusieurs types de cartes, ce qui pourrait être le cas. D'ailleurs, ça fait penser aussi qu'il n'y aura peut-être pas les cartes de mission. Là, on vous dit qu'il y a 5 types de dés différents, donc je me dis peut-être qu'il pourrait vous dire aussi qu'il y a plusieurs types de cartes différents, histoire de faire... Il y a beaucoup de choses, hein, regarde. Ouais, j'ai regardé rapidement, mais il n'y a rien qui vous envoie vers le site de FFG, si ce n'est que vous êtes malin, vous avez le logo là, et puis vous tapez un petit peu Star Wars Légion. Voilà. Donc, bien évidemment, pour 1,50€, tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est extrêmement rentable. Donc, si vous avez envie, vous pouvez vous faire plaisir. Après, vous allez vous retrouver avec beaucoup de Dark Vador. Bon, c'est comme ça que vous pourrez faire vos essais de peinture. Toujours avoir une figurine test quand vous faites du vernis, par exemple. Ça peut être la bonne utilisation. Les dés, ça, c'est plutôt une bonne solution. Et puis voilà, alors franchement, autant je trouvais que Conquest c'était vraiment super intéressant et après il y avait vraiment un gain. Là, je me pose vraiment la question de savoir si sur le long terme ça va vraiment être intéressant comme collection, parce qu'autant au début, certes, c'est pas cher, mais quand après vous allez vous retrouver, je sais pas, avec 3 soldats impériaux et puis un pot de peinture pour 10€. Je pense que la note, elle va être salée, puis avant de pouvoir faire votre première partie, c'est pareil, ça va être assez compliqué. En tout cas, on va pas jouer avec les vraies règles, j'ai pas l'impression qu'il y aura les petites cartes d'amélioration, ce qui fait qu'au final, je me sens assez mitigé pour cette collection. Après, quoi qu'il arrive, c'est toujours bon de faire de la pub, et bien sûr, les gens qui sont intéressés, bah, ils vont pas manquer d'aller regarder et de trouver tous les groupes Facebook qui parlent justement de Star Wars Légion, les vidéos sur YouTube qui parlent de Star Wars Légion, et puis aller faire le pas d'aller chez un vendeur ou de commander en ligne, et puis d'aller vers justement peut-être les assos, essayer de découvrir un petit peu le jeu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, je vous rappelle que pour l'instant c'est que en test et que ça sortira officiellement un petit peu partout en fin août ou septembre. Voilà, donc merci encore à Willy pour m'avoir permis de faire cette review, et puis en attendant, jouez bien et à bientôt.